l'alliance des marchands. Did Olivia send you? Oh, thank heavens. I've been beside myself, out here all alone with no one to confide in but that beastly Humphrey. There's nothing I can do, you see. Not really. I'm no pirate. Not like my best friend Rose. She's amazing. I once saw her bite a rope clean in half, you know. She's so fierce. Unless she's with George. He's her fiancé now. And she sent me this beautiful diary, all about how they both met and fell in love. They've even asked me to officiate their wedding. It's such an honor. Except, you see, they were due to be married 3 days ago. But they never arrived, and I've been worried sick ever since. I just know something must be wrong. Olivia told me her compass helped you locate a skeleton lord. I'm not as skilled with the ritual, but yes, perhaps the same magic might help locate Rose and George. Rose wrote about burying precious keepsakes in her diary. Find their chest of memories and bring me any mementos it leads you to. Please, hurry, I'm begging you. Ça va être une... C'est une quête qu'on a déjà faite, en fait. Comment ça? Bah, on va lui chercher des objets pour qu'elle nous crée une boussole, pour qu'on puisse aller localiser... Ouais, ça, ouais, c'est un peu comme Briggs, finalement. Ce gars, c'est un coffre. La Stancy aussi. Hein. C'est sûr, que c'est la fille qui écrit? Bah... Je sais pas, en fait. Par Rose, genre, ça se trouve, c'est les deux, en fait. Attends, il y a... Regarde, la première est signée Georges Tarose. Et le deuxième, ah, oui. En bas à droite, est signé par Rose. Ah oui, bah vas-y, je lis. Bah tu veux, que je... tu veux lire comment? Tu fais Rose ou tu fais Georges? Oh ma Rose. Ah vas-y. Pirate, aidez-moi à retrouver mes amis. Rapportez-moi ces objets qu'ils chérissent et nous les retrouverons. Olive. Ce livre raconte notre histoire, de ses débuts improbables à notre jour de noces. J'ai hâté de passer le reste de mon existence à tes côtés. Georges Tarot. Bonjour Olive. Je sais que ça fait des lustres que je ne t'ai pas donné de nouvelles, mais tu connais la vie en mer. Sache qu'on a accosté à Sailor Bounty. On y a intégré un nouveau membre qui s'appelle Georges. Je sais pas s'il restera longtemps. Il est tellement silencieux. Ce soir, on va voir s'il tient bien l'alcool. On s'amuse comme on peut. Rose. Franchement, je sais pas qui parle. Ouais. Je pense que c'est le journal de Rose. Ouais, je pense aussi. Ou des deux. Ouais, ou... Mais non, si elle envoie des messages à Olive. Ah bah oui. Jour 5, j'ai failli refaire une grosse bêtise. Je me suis fait avoir comme un bleu sur Cannon Cove. Je me suis retrouvé dans une embuscade. Tout d'un coup, elle est apparue avec deux sabres dans les mains. C'était dû à un contre 4. Oula, attends. C'était dû 1 contre 4. J'ai l'impression qu'il manque une virgule, en fait. Parce que c'était dû 1, pour moi, ça oui, se dit pas. Oui, c'était dû 1 contre 4, ouais. Oui, mais c'est, on dirait qu'il manque une virgule, c'est pas grave. C'était du 1 contre 4, mais il ne faisait pas le poids. Pour marquer le coup, je l'ai appelée Wild Rose. Elle n'a pas souri, mais elle n'a... Oh, attends, elle m'a... Mais il y a la fleur dessus, pourquoi ils écrivent sur un dessin? Elle ne m'a pas frappé non plus. J'en conclue qu'elle aime... 5 se sobriquer. J'en conclue qu'elle aime se sobriquer. Oh, c'est 5, c'est la page. C'est genre 5 ans, mais, là. Mais qui écrit à côté de le numéro de page, quoi? Et en fait, j'ai l'impression que c'est Olive, là, qui... Elle n'a pas souri, mais elle n'a pas frappé non plus. J'en conclue qu'elle aime se sobriquer. J'en conclue qu'elle non, aime. Non, c'est Georges qui parle. Jour 24. Nous avons vu des voiles connues à l'horizon. La vieille capitaine Briggsy écume toujours ses mers. J'espère qu'elle va bien. Là, tu vois. Ensuite, donc, qui c'est qui parle à Olive? Nous sommes poursuivis avec la capitaine de Rook. Alors, du coup... Olive. Nous sommes poursuivis par une capitaine du nom de Rock. D'après la rumeur, ce serait une squelette porteuse d'une horrible malédiction. Elle en a après notre liberté. C'est un cauchemar. Ah, c'est la lettre de Rose. Ah, c'est ça en fait.
Puis avec le bordel pour trouver qui parle. En fin de compte, le livre appartient à George et les morceaux de lettres qu'on voit coller, c'est Rose qui parle. C'est ça, ouais. George est venu me servir un verre. C'était chaud et épicé. Il est resté me réchauffer le cœur, me raconter ses fables. Et puis, je me suis endormi sur son épaule. La honte. Faut que tu dises le rose derrière. Ah oui, rose. Oui, oh, mais il va falloir le relire. Il va falloir relire correctement ce livre parce que là, ça va attention, pas. Attention, attention, prise 2. Ah ouais, non, mec, là, c'est catastrophique. Alors que je prenais un contrat chez Olive, elle m'a demandé si j'en passais pour Rose. Je crois que je n'y avais pas pensé avant. Elle et moi, nous sommes amis depuis le début. Et elle m'a sauvé la mise plus d'une fois. Je crois que je vais réfléchir à la question d'Olive. Ah, Captain Quentin Quickshot. Ça fait tellement pas nom de squelette, Quentin. Salut, moi je suis Capitaine, je m'appelle Quentin. Ouais, attends, comment c'est écrit là? Olive. M'a embrassé. Il m'a embrassé, je pense. Ouais, c'est... elle est bourrée à ce moment-là. À mon avis, à ma vie, il devait l'avoir drogué. Comment c'est écrit? Ah non. La vérité sur George. On venait tout juste de se mater. On venait tout juste de mater le capitaine Quickshot. Ah, j'en peux plus, mec, ça va tuer. C'est vrai que leur dé, là, deux, à chaque fois, je... Ah, bon. On venait tout juste de mater le capitaine Quickshot, et on était parti sur la gun of Whisper pour se ravitailler. C'est à ce moment-là qu'il m'a embrassé. Je ne peux pas dormir. Si ça se trouve, ce n'était qu'un rêve. Jour 56, on a déterré un vieux coffre dans le sable humide de Sea of Dogs Rest. Au fond, on a trouvé deux moitiés de médaillon. Il était visiblement précieux, aux yeux de quelqu'un. Mais il est à nous à présent. Une moitié chacun pour rester unis, même loin de l'un de l'autre. Jour 78, Rook et son navire présent sur ses mers, ses voiles sont toujours à l'horizon. La malédiction ne quitte jamais la pensée de Rose. Rose est brave, mais je vois qu'elle a peur. La liberté d'aller où elle veut est vitale pour elle. Wow. Encore beaucoup de pages. Ah non, c'est la dernière. C'est la dernière, ouais. Salut Olive. George et moi avons réuni des souvenirs que nous allons enterrer dans un coffre. Il est enterré sur Bowdler Cay, là où s'étrangle l'île Rose. Chère Olive, encore merci d'avoir accepté de présider la cérémonie. Nous avons répété notre danse sur Wanderer Refuge. George m'a offert une boîte à musique pour me faciliter l'apprentissage de ses pas. A très bientôt. Wild Rose, George. Bon. Ça, c'est la rose sauvage. Donc, du coup, il y a beaucoup de positions de ce que j'ai pu voir. Bah ouais. C'est un peu le bordel, mec. Mais on n'a pas besoin de toutes les positions. Hein. Si, on va aller partout. Par contre, est-ce qu'il faut... Je pense pas qu'ils l'ont tué, le capitaine. Non. Je sais pas. Ah ouais, ici, il y a une croix quand même barrée dessus. Ah, là, j'ai pas fait gaffe à ça. Ah oui, effectivement. Alors... Je pense qu'il faut aller chercher le fameux coffre avec les objets, là. Nous sommes réunis, nous allons devant... nous allons... enterrer un coffre. Il est sur bout de l'arcade. Là où s'étrangle l'île. Je pense qu'on a juste allé là-bas chercher le coffre. Il y aura la clé à trouver. Il y aura un truc. Bonne d'avant. Là. Allez, meurs. Yes, il est mort. Je suis arrivé. Alors, l'ordre du squelette et un coffre. Et du coup, on n'a pas mis d'émissaire. Oh, on est trop intelligent. Oh, on n'a pas mis d'émissaire. Oh non. On a une. On a 6 coffres à récupérer sur une. Ah, coffre de souvenirs découverts. GG, mec. Bah oui, bah, c'était facile à trouver. T'as fait ça au hasard? C'était. Mais non, c'est là où c'est tremble lui, c'est écrit. Ah oui, c'est vrai. À ouvrir! Ah bah c'est bon. Allez, note! What? Ah oui, là. Nos souvenirs. On devrait revisiter cet endroit et cacher nos souvenirs. Oui. Notre premier baiser. Oh, ils se sont pécho! Notre premier crâne. Olive, c'est toi qui nous as donné le contrat sur le... Attends,
pièce de bois là, c'est quoi? Mais ils nous prennent la tête. Olive, c'est toi qui nous a donné le contrat sur le capitaine Quickshot, mais je ne t'ai jamais raconté ce qui s'était passé. Pour la jouer fine, on devait jeter l'ancre au pied d'une échelle. En haut de l'échelle, on a longé la falaise, l'océan sur notre gauche. Le squelette protégeait un sentier éclairé par des torches. On attaquait plongeant dans la crevasse. Cerné, on a fui le sommet, les repoussant de notre mieux, dos à ce gros rocher. J'ai vu Quickshot au loin et j'ai couru après lui. Suis passé sous deux arches pour finir par en l'embrocher sous le palmier, près du rivage. Ça me fait penser à Smuggler Bay, non? Smuggler Bay? Cette estrade là, non? Ah non, attends, c'est là où ils ont accosté. Non, non. Ah non, oui, c'est là où ils ont accosté. Ah non. Mais non, mais c'est là où ils ont vu Quickshot, il suffit de regarder où c'était. Ah bah oui, tout simplement. Lone Cove. Oh, juste là. Oh bah nickel mec, vas-y zoom plus. Mais, non mec, l'estrade elle est là. Plein. Voilà, ouais. Tu vois, c'est pour ça que j'ai zoomé à fond. Magnifique. Ouais. J'ai zoomé. Effectivement, c'est mieux. J'en ai une petite chance. Ah. Ouah, le truc ça fait tout. C'est clair, c'est trop stylé. Bien, ouais, avec les vieux, c'est normal de jouer. Ouais. J'avoue que je trouve ça stylé. Vas-y, lâche la musique pour me donner le premier rôle. Vas-y, rejoue. Maintenant, quand tu joues en second, t'es juste accompagnant. Ouais. Ah oh mec, un truc qu'on aime bien là. Oh, j'en ai récupéré un de légende mec, il était trop beau. Il faisait peur bien évidemment, mais il était trop beau. Un baril de poudre de légende. Ouais. Et tu sais qu'il y en a qui existent de place forte aussi de légende. Oh. Les trucs alors, hyper rares. Ah ouais mais clairement. En haut de l'échelle, on a longé la falaise. L'océan à notre gauche. Donc, gauche c'est par là, parce que j'ai appris ma droite ma gauche. Tout à fait. Et oh, vous seriez capable d'aller de l'autre côté. Hein. Les squelettes protégeaient un sentier éclairé par des torches. Sentier éclairé par des torches, pas les torches. Hein. Oui, c'est là où je me trouve, regarde. Ok, ouais. Là, ça y est. On a attaqué sommet, en plongeant dans la crevasse. Peut-être celle-ci. Cerné en a fait. Oh, déjà, ils ont longé la falaise. Déjà. Mec, faudra qu'on vienne là, regarde toutes les caisses qu'il y a. Oh. Je laisse les caisses là, on viendra les prendre tout à l'heure. Oh, une caisse de livraison. Crevasse. Est-ce que c'est cette crevasse là? Ou alors c'est plutôt derrière? Non. Est-ce que c'est ça donc? Non, je pense que c'est ça la crevasse en fait. La crevasse où tu te trouves. C'est ça. On a ça. Donc attends, voilà, ils sont passés par là. Là, ils ont monté. C'est pas ça? Et là, dos à un rocher. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là, c'est dos au rocher. J'ai vu Quickshot au loin. Et elle était de là, il était planté sur un arbre. Sous deux arches. C'est ça, mec. Les deux arches. Ouais, après vous, une c'est arche. Passé. Deux arches. Deux arches. Pour finir l'embrocher. C'est un palmier. Pour finir par l'embrocher sur le palmier près du rivage. Cet arbre-là, il m'a l'air d'être de la même forme. Les deux arches. Ouais. Il l'a embroché contre un palmier. Ah yes, ta musique, de musique. Rose. D'accord. Et donc? Ah vas-y, fais voir. Oh, c'est beau. C'est pas ce style là, ça doit être ça, tiens. La ficelle qui pendouille, ça doit être le hamac. Ouais. Et là t'as le tonneau derrière qui doit être à peu près bah là en fait hein. Yes. Quoi t'as épice de George Découvert. Quoi? Une boîte à épices. Ouais on peut rien faire avec.
Tu vois, on avait fait de venir là. Ouais. Point de sauvegarde de Fable de Flibustier enregistré. Yep. Toujours au même endroit. Hop. Hop. Je vais en donner un chacun. Ouais, vas-y. Looks like the music box Rose spoke of. And these must be George's secret cooking spices. I'm not as skilled at the rite as Madame Olivia, but Rose is counting on me, so this has to work. I'll make it work. C'est ce que j'allais dire, ils auraient pu me faire l'effort de faire un truc un peu différent. This compass will lead the way to Après, tu viens, c'est aussi pour enchanter tout seul, donc on reste wherever finalement en contagion. Please do whatever it takes to get them home safely so they can finally have their wedding day. Oula. Ouais. Bon bah direction là-bas. Nord-ouest. Non, nord-ouest. Ah oui. Je crois que c'est là-dedans ou c'est en haut? Non, c'est de temps à mon avis. Ça dépend comment ça tourne. Oh, j'ai une musique qui s'est déclenchée quand je me suis approché. T'es où? J'étais en bas, mais y'a rien, c'est fermé. Ah, la boussole. Ah moi aussi. Ah oui, oui, tu t'en approches. Attends-moi. Ah là! Ah, il est mort! Ah ouais. Ah, puis bien qu'il faut. Les aillons de rose. Du coup, il faut l'autre médaillon. Du coup, il faut chercher Rose, je pense. Ah oui, regarde, c'est Reset. Ah, il est mort! Ah, c'est. Ah bah, nickel. Là, j'ai ajouté la fable. Attends, je trouve ce truc. Il me reste plus de cheveux, mec. Ah oui, il est mort, normal. Qu'est-ce qui t'est arrivé depuis le 10 ans? Bah attends, on a une nouvelle page. Apparemment, je suis revenu tout au début du livre. Elle trouvait George. Rock nous poursuivait pour t'avoir juste pour elle. J'étais si énervé. J'envoyais ma lame à gauche, à droite. Je me fichais de saigner. Tout ce qui comptait, c'était de m'approcher de toi. J'aurais dû l'entendre dans mon dos. Mon médaillon brillait au creux de ma main, avec ma morsure du froid. Le poids d'une montagne. Je connais la mort et ça n'a rien à voir. Nous devions nous marier aujourd'hui. Me pardonneras-tu? J'espère que tu t'en sortiras. George, je t'aime. Et je t'aime. Ah, mais ouais, c'était l'autre. Ils en ont parlé à un moment donné de Rock. De Rook, ouais. Il se faisait poursuivre. Mais oui, et qui était maudit. J'ai sorti ma boussole là. Alors. Du coup, position 1, 2, plein sud. Plein sud. Je pense que c'est Crescent Isle. Ou alors Sea Dog's Rest. Il y avait un truc à Sea Dog's Rest. C'est là où il y avait le médaillon. Oui, c'est là où ils l'ont eu, c'est vrai. Il y a Shore Plenty aussi. Bon, bah, navigue par là et puis. Bon, on se dirige par là dès qu'on va entendre une musique. Il y a un passage en dessous là. Ça sert à rien, mais c'est. C'est clair, ça sert à rien, mais c'est surtout c'est la grotte là dans les. Ça fait. C'est une grotte. Ah non, ça tombe. Oh! Mon petit Georges à moi, avec à moi. Là-bas? Attends. You could be a little nicer to me. Given everything I've sacrificed. Time. Putain, mais c'était pas Rose qu'on a vu plutôt? Bah oui, c'est Rose qu'on a vu.
Attends, mais sur l'île là qui était morte, mort, c'est qui? Bah, c'est Rose du coup. Ah, c'est Rose, donc c'est ça, donc c'est pas genre. Là, c'est Rook. Parce que Rook, en fait, elle voulait George. Pour elle seule. Donc, du coup, elle a tué Rose pour s'en débarrasser pour pouvoir avoir George. Ça fait. Ah, trop bon. Waouh. C'est bien, la soigne. Il est touchant. Elle a peut-être fui. Mais d'ailleurs. Elle l'avait. C'est quand un squelette, Body, te sortit partout. Putain là. Waouh. Retourner voir Madame Lily à la fin. Ah bah oui, ça peut la ramener. Tu lui dis ouais, c'est vrai. Hop. Rose. George. Oh, by the heavens, I can hear them crying out from the pendants. I've never seen a curse this powerful before. I don't know what to do. Come on, Olive. Rose was always there for you, even if it meant she got hurt so you'd be okay. Well, you're grown up now. Your turn to take the blow. I thank you for all you've done for me. But whatever happens now, you must not interfere. There's one last ritual I can attempt. But it's forbidden. Because few can take the pain. But even if I don't survive, Rose, well... She'd do the same for me. Together at last. They're free from Rook's curse. I don't think they'll be returning anytime soon. But they found one another. Thanks to you. They're eternally grateful. And so am I. But I'll make sure everyone in the Order knows what you did for two lost souls today. If anyone can make it to the shores of gold, it's you. Oh, plus 16 000 par contre! Ah ouais, plus 16 000. Ah oui, t'es 8, 16. Bonus. Ah, par contre, je viens tout juste de capter qu'en fin de compte, les médaillons qu'ils ont trouvés, ils sont prisonniers à l'intérieur. Ouais, moi aussi, je l'ai pas capté.
C'était une bien belle histoire. Ouais, ça s'est bien fini.